JP Doubara, session Bénin, tel un bulldozer, continue de tout écraser sur le terrain. Ce samedi 7 décembre 2019, c'est Adja Fati Djidjé qui a officiellement démissionné du parti Lumana Africa pour déposer définitivement les bagages à PJP Doubara. Connu pour son militantisme et sa force de frappe, c'est un gros morceau qui rejoint le président de PJP Doubara Bénin et son bureau pour une victoire du général Salo Djibo au présidentiel de 2021 au Niger. Cette adhésion de notre mouvement, les femmes nigériennes de Djidjé, tourne définitivement la page de tout autre parti politique auquel nous appartenons jadis. Je veux nommer ici Lumana Africa. Militantes et militants, nous, femmes, jeunes, dames et jeunes filles nigériennes de Djidjé et environ, sommes honorés de rejoindre les rangs de la génération Doubara et tenons à confirmer à cette occasion notre engagement ferme et indéfectible à apporter notre contribution à l'appui de l'effort considérable que fournit le président Amadou Yacouba et la coordination PJP Doubara Bénin. En vue de soutenir la candidature de notre grand camarade de lutte, son Excellence le général Salo Djibo, pour une victoire écrasante, Inch'Allah, en 2021. Ce geste de Adja Fati Djidjé vient renforcer la lutte pour la victoire de PJP Doubara, tout en rassurant le bureau du Bénin et les militants de ce qu'ils sont en train de mener le bon combat. Un combat pour la paix, la justice et le progrès du peuple nigérien. On est vraiment émerveillé, on est vraiment épaté. Vraiment, je ne sais pas quelle joie. Déjà, ce que je peux m'exprimer, vraiment, je suis vraiment content de voir une grande militante qui avait aussi une grande base venir à Doubara. Ce qui veut dire que vraiment, Doubara, c'est autre chose. Vous savez, quand on travaille, il y aura toujours gain de cause. C'est quoi? Elle a su savoir que le parti PJP Génération Doubara, c'est un parti qui est né avec ses dents. Pourquoi j'ai dit avec ses dents? Parce que l'Aïda là n'a rien que sa popularité. Il y a un président qui a été nommé et l'humain a été président. Donc, à ce moment, il y a un mot qui a été fait pour l'ambassade. Il y a un gars qui a été démissionné et qui a été démissionné. A te dubara mo woy bure ku sejin hunu no to bure presidento bene fils na zulma to nse hun kuna bure kayan kabande igbad bure kayan adignan a chimori sekan ti irko ba victoire hal bene no 100% woy bure do hare bo kum sjo tense PJP est expérimenté et il a eu l'occasion d'avoir les gens qui ont l'expérience. Et c'est ce gros morceau qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est vrai, c'est une lutte qui a fait que lui-même, il a compris, elle a compris plutôt, et nous rejoindre. Et Inch'Allah, PJP ne manque jamais de faire ses surprises là aux autres partis. Le capital sympathie du général Salo Djibo grandit de jour en jour au sein de la population nigérienne résidant au Bénin. En démontrant qu'il est un homme de parole, le général Salo Djibo a gagné le cœur de la grande majorité du peuple nigérien.
Ce peuple qui n'attend que 2021 pour le faire asseoir sur le fauteuil présidentiel au Niger. Tous les militantes et les militants de la diaspora se soucient de leur avenir, compte tenu du temps, des circonstances dans lesquelles se trouve le Niger. Je crois que si Salou Djibo aujourd'hui, il a ôté ses habits, ses tenues militaires en tant que général 4 étoiles, c'est pour avoir au moins sauvé le peuple. Le bas peuple, si je dis le bas peuple, je dis la masse paysanne. Doubara, ce n'est pas la force. C'est eux-mêmes qui veulent venir à Doubara. Et vraiment, ils sont motivés à venir à Doubara. Donc, on est vraiment prêt à les accueillir correctement. Donc, on est vraiment fiers de leur arrivée. Donc, on appelle les gens qui sont pas encore arrivés, on les appelle de venir à Doubara. La dame là, elle est vraiment morceau de Doubara. Cette présidente qu'on a pris, et c'est ça qu'on appelle l'Oumana même qu'on a pris complètement. Elle est venue à Doubara et ce sont ces militantes qui ont demandé l'arrivée de cette dame à Doubara. Et elle a accepté, elle est venue à Doubara. Donc elle a tellement de monde avec elle. On appelle toutes les militants et toutes les militantes qui veulent venir à Doubara. Ils n'ont qu'à vite venir à Doubara pour qu'on puisse amener le président Salou Djibo à la présidence en 2020. Donc on les attend tous. Il y a beaucoup d'appels. Un à un, on va faire leur déclaration, Inch'Allah. C'est confirmé. Les femmes de Didier donnent ainsi leur soutien au général Salou Djibo. Adia Fati Didier y croit désormais. Que ceux ou celles qui hésitent encore franchissent rapidement la ligne. Mieux vaut être du côté des gagnants. C'est notre remarque. Pour finir, j'appelle à la mobilisation générale. Hommes, femmes, jeunes, enfants, l'heure est venue pour prendre notre destin en main, car le Niger a besoin de toutes ses filles et filles pour qu'ensemble, nous puissions avoir une vie meilleure. Vive le PJP Doubara, vive son excellence Salou Djibo, vive son excellence Amadou Yacouba. Je vous remercie. PJP, PJP.